Le malade imaginaire de Molière, mis en scène par Michel Didime. Ce sera le classique de notre saison au TNP. Une manière de se retrouver autour d'une pièce géniale dont on ne se lasse pas. On ne peut pas s'en lasser parce que l'insolence est là et en même temps la drôlerie et la dénonciation restent toujours d'actualité. Molière y attaque les médecins, y attaque les hypochondriaques et y attaque aussi les méandres familiaux. Trois domaines qu'il connaît très très bien. Ces trois domaines donnent l'occasion aussi d'une comédie-ballet. Donc on y danse, on y chante. Donc la pièce est interrompue par des chants et des danses. Ces chants et ces danses sont aussi un plaisir pour les comédiens. Et c'est là que Michel Didime gagne son pari. Il a réuni une équipe d'acteurs absolument formidable. D'abord parce qu'ils sont formidables en soi, c'est-à-dire nous les trouvons sur les grandes scènes. André Marcon, Nora Kriev, Jean-Claude Durand, j'en passe et des meilleurs. Et ils sont en liberté. En liberté parce qu'ils ont dans les mains une pièce formidable, un metteur en scène qui les écoute et des spectateurs en joie de retrouver enfin le classique tel que nous l'aimons, simplement, justement, bien en place.